Alleluia. Gracias por esa sangre, Padre. Gracias por ese sacrificio, Padre. Gracias te da mi vida y mi alma, mi rey. Merci de faire croire, Jésus, chaque jour, mon roi. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Jésus. Padre, dame fuerza, Dios mío, a cada madre de familia, Padre, con mis hijos, Cristo. Que tú vienes pronto, Maestro, que tu mundo te preparaba, tú venías, Cristo. Gracias te da mi vida y mi alma por lo que te da, Padre. Tout ce que j'ai t'appartient à toi. Amen. Merci pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Amen. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, mon roi. Merci à toi dans ma vie, dans mes armes, Père. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu? Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, nous allons. Eh bien, c'est pas difficile. Si, je ne trouvais pas le mot. Nous allons nous être dirigés sur la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas. Voilà. Le serpent était le plus rusé dans tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du tout des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. De peur que vous en mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà, bon, de là après, c'est fait. Béni soit le nom du Seigneur. Bien sûr, on va parler ce matin, c'est un peu spécial, on va parler du premier Adam et on va parler du deuxième Adam. Parce qu'il y a dans la Bible deux Adam. Le premier Adam, c'est celui-ci qui désobéit à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Il y en a plusieurs que, par exemple, ils disent que Adam avait mangé du fruit parce que Ève lui avait donné, mais par amour, parce qu'elle aimait Ève. Mais on peut se dire ce matin, on va se dire les quatre vérités, vous savez, pas la peine de chercher à comprendre. Je peux vous dire quelque chose, que par amour, on ne pêche pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas pécher. Parce que celui qu'on doit aimer le plus dans le monde, c'est Dieu. Amen. Et si on aime Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, et de toutes ses forces, et de toute son âme, tu ne peux pas pécher contre lui. Béni soit le nom du Sauveur. Mais il pécha parce qu'il avait envie de pécher, puis c'est tout. Ève lui donna à manger de ce fruit et puis la mangea. Je vous avais dit l'autre jour, pourquoi la croix? Nous allons comprendre pourquoi la croix. C'était le thème que je voulais parler, mais pour cela, il faut comprendre dans le premier Adam et qu'on retourne au deuxième Adam. Sinon, on ne peut pas comprendre cela. Le verset 7. Nous parle que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors, on va voir ces trois points. Premièrement, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Adam, et même Ève à cette époque, à l'époque de l'innocence,
Ils avaient la vue et le regard, la vision spirituelle. Amen. Ils ne voyaient pas selon le monde de regarder. Mais ils voyaient, leur vision était parfaite. Puisque Adam a été créé parfait. Puisque Adam a été créé pour ne point mourir. Adam était éternel. Il ne devait pas mourir. Ainsi que Ève ne devait pas mourir. Il devait se multiplier dans cette terre, dans cette vie, mais sans mourir. Parce que Dieu voulait faire quelque chose de... Il voulait faire comme ce que le deuxième Adam a pu faire. Que nous verrons plus tard. Un peu plus tard. Gloire à Dieu. Mais ils désobéirent. Et en désobéissant, la parole de Dieu nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Écoutez bien. Prends, après tu reviens là, hein. Tu prends 2 Corinthiens 4, 3 et 4. 2 Corinthiens. Voilà. 4. 3 et 4. Et le 3 et après le 4. 3. L'autre. Le 3. Non, tu as mis 2 Corinthiens, 3, 4. Je t'ai dit 2 Corinthiens, 4. 3 et 4 après. 2 Corinthiens, 4, 3. Allez. Après, on va au 3, au 4. Là, c'est bon. Voilà. Lorsqu'on a les yeux spirituels et qu'on pêche, nos yeux ou notre vision se voilent. Automatiquement, ils se voilent parce qu'ils ne voient plus les choses spirituelles, mais ils voient que les choses charnelles, ce qui est du monde. C'est pour cela que lorsqu'on est à l'église et qu'on sort de l'église, on ne voit plus comme on voyait auparavant. Au contraire, on voit selon le train du monde. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et à Ève. Il est bien clair, il nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Prends le 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a enlevé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller les splendeurs de la gloire, de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Ça, c'est la première des choses qui leur arrive. Ils ouvrirent leurs yeux au monde. Nous, le deuxième Adam, c'est le contraire. La désobéissance te ferme les yeux à l'évangile, ou à Dieu, c'est pareil, mais t'ouvre. L'évangile t'ouvre. La désobéissance t'ouvre les yeux au monde. Et l'obéissance te ferme les yeux au monde et te fait voir ce qui est Dieu vraiment. Vous voyez, l'obéissance prend acte 9. Acte 9. Et verset 17. Voilà, celui qui connaît un peu, il sait ce que c'est que c'est Paul. Ça, c'est Paul. Paul, écoutez bien, avait la vision d'Adam, mais en désobéissance. La preuve que lorsque Jésus vient et meurt même à la croix, il combat les chrétiens qui se sont convertis. Pourquoi il combat les chrétiens qui se sont convertis? Eh bien, parce qu'il a les yeux fermés sur l'évangile et il a les yeux ouverts dans le monde. C'est simple. Le judaïsme à cette époque ne voyait plus rien du tout. Ils n'avaient pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et même s'il avait reconnu, il ne voulait pas l'admettre. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que vous savez très bien que lorsque Nicodème vient à Jésus et il leur dit,
Nous savons, ils savent que le pharisien, le judaïsme, reconnaissent que Jésus était le Christ, était le Fils de Dieu. Nous savons que tu viens de Dieu. Ils le disent clairement, mais ils ne veulent pas l'admettre. Pourquoi ils ne veulent pas l'admettre? Parce qu'ils préfèrent le monde, parce que dans le monde, ils sont élevés. Ils prennent la première place. L'orgueil fait pleurer Dieu, frères et sœurs. Et c'est ce que c'était le judaïsme à cette époque. Orgueilleux. Il se montrait devant les gens. Il y avait un pharisien, un publicain qui priait devant Dieu. Et il disait comme cela, je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne 3 fois dans la semaine. Je donne ma dîme de tout ce que je gagne. Et ce pauvre pharisien, ce pauvre publicain, regardez, ça c'est l'orgueil hein, du pharisien. Et regardez le pauvre publicain. Seigneur, sois apaisé dans mon âme. Que je sois apaisé dans mon âme. Je suis un pauvre pécheur et misérable pécheur. Il reconnaissait son péché. Il admettait son péché. Mais le pharisien, lui, non, il ne voulait pas. Et Paul était un de ceux-là. Il ne voyait pas resplendir la gloire de l'évangile de Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire pour que Dieu puisse donner la vision de l'évangile à Adam et même à Paul, puisqu'il était et il suivait le judaïsme? Ananias sortit. C'est lorsque il demande des cartes, des lettres à Caïphe. Et il veut aller à Damas, prendre les chrétiens et les persécuter, même en tuer. Et sur le chemin, Dieu va fermer les yeux à Paul, à Saul. Mais il va lui fermer carrément, parce qu'il va lui ôter le voile qu'il avait. Et c'est ce texte qui le dit. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on recouvre la vie spirituelle, Dieu nous donne le meilleur qu'on peut recevoir dans cette terre. Alléluia. Savez-vous ce que c'est le meilleur pour notre vie dans cette terre? C'est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous dirige. Parce que le Saint-Esprit nous parle, nous guide. Il nous convainc de ne point pécher contre Dieu. Amen. C'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons faire cela. Par nous-mêmes, on ne peut rien du tout. C'est vrai. Mais c'est pour cela que la parole de Dieu dira, Christ en moi l'espérance de la gloire. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Béni soit le nom du Seigneur. Mais de moi-même, je ne peux rien faire. Paul ne pouvait rien faire de lui-même. Au contraire. C'est la vision spirituelle qu'il voulait avoir ou qu'il pensait avoir était tout simplement charnelle. Elle était du monde. C'est pour ça qu'il persécutait Étienne. Paul était là. Lorsqu'on a lapidé Étienne, on mit les linges de Étienne, on les mit au pied de Saul. Lorsqu'il fut assassiné, lorsqu'il fut lapidé, Hébreu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais là, maintenant, Paul prie parce que il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne connaissait pas le vrai Dieu. Il connaissait un Dieu qu'on lui avait appris. Mais il ne connaissait pas le vrai Dieu. Nous étions auparavant pareils. Nous, on connaissait la Sainte Sarah. On allait là-bas. On se mettait sous cette grotte. Et combien de fois j'ai embrassé ses pieds? Que peut-être ils ont mis n'importe quoi dessus. Mais ça ne me faisait rien du tout. J'embrassais ses pieds. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le vrai Dieu. Je pensais que c'était un Dieu ou une déesse. Je pensais comme cela. Mais il n'y a pas que moi. Le peuple gitan en général pensait cela. Il y en a qui le pensent encore. Il y en a qui vont à Lourdes et ils leur font des offrandes. À Lourdes. Pensant que Dieu peut travailler à travers elle. Mais Dieu n'a pas besoin d'une déesse. Ils sont 3.
Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'a besoin de quelqu'un. Et il s'en dirait, il n'a pas besoin de quelqu'un d'humain pour faire les choses. Béni soit le nom du Seigneur. Et Paul était pareil dans le judaïsme. Il croyait que le Dieu que Gamaliel lui avait enseigné, il croyait que c'était ça le vrai Dieu. Mais il avait eu devant lui, où il avait entendu du vrai Dieu qu'il était venu sur cette terre. Mais il ne croyait pas en lui. Parce que la Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ou ils l'ont pas reconnu. Ou ils n'ont pas voulu le reconnaître. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque il est dans cette maison à Damas, à la rue de la droite, et qu'Ananias, serviteur de Dieu, vient, lui impose les mains, il est dit dans la parole du Seigneur que des écailles tombent de ses yeux. C'est-à-dire que le voile lui fut ôté. Le voile de la désobéissance, le voile du péché, lui fut ôté. Et cela, je vous avais dit, on va comprendre la foi. C'est à cause de cela. Parce que lorsque nous arriverons à la fin du message, je vous expliquerai autre chose. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Vous savez, Jean 9 parle d'un aveugle. Parle d'un aveugle, Jean 9, 13 jusqu'à 15, qui prie de la boue. Et il lui dit dans les yeux, pour que sa vision ne soit plus charnelle, mais qu'elle soit spirituelle. C'est la première fois qu'il va voir cet homme. Mais il ne va pas voir une vue charnelle. Sa première vision était Jésus devant lui. Vous rendez-vous compte? Pour la première fois qu'il va voir cet homme, il va voir Dieu devant lui. Il ne va pas voir un homme pécheur ou des pharisiens ou des docteurs de la loi. Non, non, non. Il va voir Jésus devant lui. Et les docteurs de la loi vont venir, les pharisiens. Comment as-tu pu recevoir la vue? Eh bien, un homme est venu, a fait de la boue avec sa salive. Il me l'a mis dans les yeux. Je me suis lavé. Et puis voilà, je vois. Je ne sais pas, parce que les pharisiens, ils disaient que Jésus était un pécheur. Et en réalité, les pécheurs, c'est eux. C'est un pécheur. Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Moi, je sais quelque chose. Que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et personne au monde ne pouvait faire cela. Si ce n'est Dieu lui-même. Parce que c'est aveugle. Je n'ai pas pris Bartimée. Même qu'on peut parler de lui. Hein. Mais je n'ai pas pris Bartimée. Pourquoi je n'ai pas pris Bartimée? Parce que Bartimée était créé normalement. Mais cet aveugle-là n'était pas créé normalement. Il n'avait pas les orbites des yeux. C'est pour cela que Jésus prit de la terre, le mouilla avec sa salive, parce que l'homme a été créé de la terre. Et comme il a été créé de la terre, il lui créa les orbites des yeux. En mettant la boue sur ses yeux, il créa les orbites des yeux. Et la première des choses qu'il vit, il vit son créateur. Amen. Celui qui lui avait rendu cette vue, celui qui avait créé ses yeux pour qu'il puisse voir la première des choses, la plus merveilleuse qui peut exister dans le monde. Dans le monde, il y a cette merveille. Mais la plus grande d'elle, c'est Jésus. Béni soit le nom du Sauveur. Et il vit Jésus là, devant lui. Que oui, le Seigneur. Béni soit le nom du Sauveur. Si on regarde, Genèse 3:7. Tu vas travailler, tu vas aller d'un côté à l'autre. C'est ton boulot de toute façon. Alors voilà. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrent. Et lorsque les yeux du péché sont ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés sans péché, ensemble, en train de se promener dans le jardin. Je ne sais pas. Il ne dit pas la Bible un peu. Mais je sais une chose. Que lorsqu'ils désobéirent, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus.
Mais la parole de Dieu, lorsqu'il nous parle de lui, il ne nous parle pas comme si c'était quelque chose d'horrible. Non. Celui qui est dans le monde, il est nu spirituellement. Il est nu spirituellement, même qu'il porte un costard. D'ailleurs, je recommence à mettre des costumes maintenant. Par Dieu. Même qu'ils ont un beau costume, aux yeux de Dieu, ils sont nus. Ils n'ont rien nu. Et comme eux, ils reconnurent qu'ils étaient nus, vous savez, Job, c'est pas la peine qu'ils demandent. Job 1, verset 21. Ma mère m'a conçu dans le nu. Lorsque je suis venu au monde, je suis venu nu. Adam est venu nu. Il est né, si on veut dire, créé. C'est pareil, mais créé, on va parler de naissance. Il est né nu. Job le dit vraiment bien. Un enfant, lorsqu'il naît, il vient nu. Mais il faut voir la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, il est nu, il vient nu, mais il est innocent. Comme à l'époque d'Adam, avant de pécher, avant de rentrer dans la désobéissance. Un petit enfant est innocent. Béni soit le nom du Seigneur. Et bien sûr, Job le reconnaît, parce que Job était un homme vraiment droit. Regardez s'il était droit. Mais il était tellement droit qu'il était orgueilleux. Il y en a que, ils disent, Job, c'est un homme droit, intègre, tout ce que vous voulez. Mais il était orgueilleux. Tellement orgueilleux qu'il faisait des sacrifices pour ses enfants. Et il pensait que lui n'en avait pas besoin. Mais que ses enfants en avaient besoin. Et nul au monde ne peut dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors, lorsqu'ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont pris des feuilles de figuier. Vous savez, je pense comme cela. Adam n'était pas quelqu'un qui n'avait pas de sens. Il était très intelligent. La preuve, que lorsque Dieu amena tous les animaux à lui, il leur donna à tous des noms qui existent encore aujourd'hui. Les noms que Adam a donnés, c'est les noms que nous donnons aux animaux. Vous comprenez cela? Bendito sea el nombre del Seigneur. Et les feuilles qu'ils prirent, parce qu'ils virent que les feuilles de figuier étaient larges. La feuille du figuier est large, est assez large. Et ils en furent comme des tabliers. Pour se cacher, pour cacher leur nudité. Mais lorsqu'ils firent ces feuilles et ils firent des tabliers, ce n'est plus, aujourd'hui maintenant, ce n'est plus pour leur nudité, mais c'était pour sa justice. Et la justice de l'homme est un vêtement souillé. Ésaïe 64. Et tu reviens là après. Ésaïe 64. Verset 5. Ésaïe, non. Voilà, c'est ça. 64. Voilà. 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il parle même de feuilles, Isaïe. Parce que c'était le tablier que Adam et Ève se sont fiers. C'est fier. Un tablier de feuilles de figuier. Mais la justice de l'homme est un vêtement souillé. Lorsqu'ils péchèrent, reviens à Genèse 3. Lorsqu'ils péchèrent, écoutez bien les frères et sœurs. Lorsqu'ils péchèrent et qu'ils firent ces feuilles, Dieu fit un sacrifice et leur donna les peaux de ces bêtes comme habits.
Ça veut dire que les feuilles pouvaient se flétrir, comme il dit dans le texte que nous avons lu, coger l'autre. Les feuilles de figuier peuvent se flétrir, se sécher et déchirer et tomber. Mais la peau de l'animal pouvait tenir très longtemps. Gloria à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième Adam pour cela? On a vu qu'il a levé les écailles des yeux de Paul. Il a mis la boue à l'aveugle pour lui créer des orbites des yeux. Et là, Apocalypse 3.5, non, la peine. C'est bon, après tu vas rester longtemps. Apocalypse 3.5, il nous dit qu'à travers le sacrifice de Jésus, il nous a préparé un vêtement blanc. Amen. Nous avions ces peaux peut-être, mais même les peaux aujourd'hui, c'est un vêtement souillé. Mais lorsque nous venons à Jésus, et que nous acceptons ce sacrifice expiatoire de la croix du Calvaire, Jésus nous enlève ce vêtement souillé et nous met et nous revêt de ce vêtement blanc. Que représente le vêtement blanc? Tout simplement la justice. C'est la justice de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. On est justifié par ce vêtement blanc. Parce que c'est en rapport à sa résurrection que nous sommes justifiés. Et c'est en rapport à sa résurrection que nous sommes sauvés. Et que Jésus nous revêt de sa justice, le vêtement blanc. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous dit, le verset 8, le soir venu, voilà, oui. Alors qu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Écoutez, on ne sait pas combien de temps Adam et Ève sont restés dans le jardin. On ne le sait pas. Peut-être qu'ils sont restés quelques milliers d'années. Pourquoi je dis quelques milliers d'années? Parce qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Alors, parce que Adam, c'est vrai qu'il est mort à 950 ans, mais le compte à rebours commence lorsqu'il est sorti du jardin. C'est là que les années commencent à se compter sur Adam. Mais au début, comme il était éternel, il était hors du temps. Et en étant hors du temps, on ne peut pas savoir l'âge qu'il avait vraiment Adam. Il faut le comprendre cela, il faut qu'on arrive à comprendre cela. C'est vrai que pour plusieurs, c'est dur, mais c'est comme ça. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a que comme ça. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés dans le jardin. Mais, pour la première fois de l'éternité, l'humain a entendu la voix de Dieu, va se cacher. Pourtant, tous les soirs, lorsqu'il venait, et il appelait Adam, Adam était là. Il était au service, il voulait écouter tout simplement ce que Dieu voulait lui dire. Mais à ce moment-là de la désobéissance, il va se cacher. Combien d'hommes et de femmes se cachent devant leur péché? Combien d'hommes et de femmes, lorsque... Si je vais vous dire quelque chose, et c'est bon pour tout le monde, hein, en commençant par moi et en terminant par le plus petit d'ici. Si on mettrait des péchés dans ce tableau, de chacun d'entre nous, il n'y aurait personne qui resterait là-dedans. Tout le monde se sauverait de là. De voir l'horrible des péchés que nous avons commis. De voir quelque chose de vraiment sale. Alors c'est normal que lorsqu'il avait reconnu qu'ils étaient nus, que leurs yeux s'ouvraient, et qu'ils avaient reconnu qu'ils étaient nus, qu'ils avaient fait la justice à eux, et le tablier de feuilles. Lorsque le soir vint, et que Dieu vient parler avec l'humain, avec Adam, avec l'homme qu'il avait créé, il va se cacher. Il va dire, « Oh Seigneur, je ne peux pas regarder Dieu aujourd'hui, maintenant. Je ne suis plus pareil qu'auparavant. Auparavant, j'étais innocent, mais là, maintenant, on est tombé dans la conscience. Au début, il était innocent. Lorsque Dieu venait, il parlait avec lui clairement. Mais là, il est conscient de ce péché. Il est conscient de sa désobéissance. Et il ne veut plus écouter Dieu maintenant. Il va se cacher.
Si tu ne veux pas te cacher devant Dieu demain, commence par obéir à la parole. Amen. Amen. Passe à la croix du calvaire. C'est là qu'on reçoit tout ce qu'il faut pour se présenter devant Dieu. Vous savez qu'il n'y a personne, il n'y a aucun pécheur qui peut se présenter devant Dieu. Il n'y a aucun pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Il peut donner quelque chose au pécheur à cause de ta prière, à cause de la prière du juste, à cause de la prière de l'Église. Mais si le pécheur demande quelque chose, il ne peut pas le recevoir. C'est impossible. Un pécheur ne peut pas rentrer dans les parvis de Dieu. Il n'y a que l'enfant de Dieu qui peut rentrer dans le parvis de Dieu. Il n'y a que celui qui est né de nouveau qui peut rentrer dans la présence, devant le trône de la grâce de Dieu. C'est seulement celui qui reçoit la grâce qui peut rentrer devant le trône de la grâce. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, là, il se cache. Il ne sait pas comment faire. Il se cache. Parce que sans conscience, le culpabilisé. Il avait une conscience coupable. Et lorsqu'on est coupable, on baisse la tête. Devant un tribunal, lorsque le juge va donner la sentence, l'homme ne regarde pas le juge parce qu'il a peur. Il se cache. Baisse son visage et il dit. Et je vais vous dire une chose. La plus grande sentence du monde, 30 ans de prison, perpétuité. La sentence de Dieu, le feu de la géhenne, c'est beaucoup plus grave. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ne te cache pas devant Dieu. À vous d'être en pression. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon pour ça, ça, ça. Il le sait, mais il veut t'écouter. Il veut l'entendre de ta bouche. Seigneur, je te demande pardon pour ça, 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 ça et ça. Je ne vaux rien du tout, Seigneur. C'est vrai que nous valons rien du tout. Je vous demande pardon pour l'expression que je prends. Mais c'est vrai que nous valons rien du tout. On n'est que de la poussière, tout simplement. Béni soit le nom du Seigneur. C'est uniquement lorsque Dieu fait quelque chose en nous. Et que Jésus vit en nous, que nous valons quelque chose. C'est Jésus qui nous donne la valeur. La valeur ne vient pas de nous-mêmes. C'est lorsque Jésus habite dans une personne, et bien cette personne devient valeureux. Je ne sais pas comment on dit. Valeur, il a une valeur. Voilà. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vas-y, le dis. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La première des choses, il se cache devant Dieu. Et il donne la raison pourquoi il se cache. Parce qu'il a peur. Combien de fois, de temps, de jours, d'années, que Dieu venait au jardin et parler avec lui et il n'avait jamais peur. Voilà. Mais la désobéissance fait rentrer dans l'homme. C'est, si on peut dire, la conséquence du péché. La peur. Ça t'a jamais eu, tu n'as jamais eu peur? Et on dirait que c'est fait exprès. On a peur lorsqu'il y a la nuit, les ténèbres. Parce que Satan est ténèbres. On a surtout peur la nuit. Le jour, on n'a pas peur. Si, on a peur si quelqu'un vient nous tuer. Mais si tu es en train de te promener, tu n'as pas peur la nuit, le jour. Mais lorsque le soir vient, les ténèbres viennent, la nuit vient. C'est là que la peur vient dans l'homme. Lorsqu'Adam désobéit, les ténèbres vinrent le couvrir. Et lorsqu'il entendit la voix de Dieu, où es-tu? Il eut peur. Parce qu'il voyait sa nudité, il voyait sa justice qui n'était pas bonne, qui n'était pas belle. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Pour la première fois, la peur tue le remplacement
de la conscience, puis le remplacement de l'innocence par la conscience. Il était conscient qu'il n'était plus comme avant. C'est vrai que Satan l'avait dupé. C'est vrai que Satan avait trompé la femme. Il est vrai. Mais, ne le veuille ou pas, lorsque Satan vient dans une personne, c'est fini. Hein. Cette personne a peur toute sa vie. De toutes choses. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Prends le verset 12. Parce qu'à partir de là, alors là, on va jeter quelques pierres. Il faut jeter des pierres des fois. Hein. Elles vont faire mal. Hein. Elles vont faire mal. Alors écoutez bien. J'en vois une. Elle est montée haut. Hein. Lorsqu'elle va tomber, elle va faire mal. Les excuses. C'est là que commencent les excuses. As-tu mangé de l'arbre que je t'ai défendu? Adam, ça c'est le premier, Adam. Il aurait pu dire, c'est pas moi Seigneur, c'est pas moi Dieu, c'est la femme que tu as placée, il lui met la faute à Dieu. C'est la femme que tu as placée qui m'en a donné et j'en ai mangé. Alors d'un coup, on met la faute à la femme, c'est pas moi. Lorsque tu commets quelque chose, tu dis, c'est pas moi, c'est le diable. Il est sur moi. Le diable, il a des épaules plus grandes que Samson, hein. Le Goliath plutôt. Il a des épaules trop larges, le diable. Et on met tout sur lui. Mais il y a des choses que c'est toi qui préfères. C'est vrai. Parce que lorsque le péché vient, rappelez-vous lorsque de Caïn et Abel, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il avertit. Le péché couche à ta porte. Mais toi, tu as le pouvoir de dominer sur lui. Mais il ne voulut pas dominer sur le péché. Il avait envie de tuer son frère. Alors je peux vous dire quelque chose à tous que nous sommes là. Le péché, je ne dirais pas couche à ta porte. Le péché est dans ta peau. C'est vrai. Écoutez bien, le péché est dans notre peau, parce qu'on est né dans le péché. Notre maman nous a conçu entièrement dans le péché. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, je peux te dire une chose, frère et sœur. Tu as reçu Jésus. Tu as été lavé par le sang du Christ. Tu as été tout ce que tu veux devant Dieu par le sacrifice de la croix. Alors domine sur toutes les tentations. Amen. Que le diable mettra à tes pieds. Amen. Domine, tu as le pouvoir de dominer sur tout ce que le diable veut te faire manger. Tu as le pouvoir. Mais quand tu manges, c'est parce que tu l'as déjà eu dans ton cœur. Amen. Vous savez le péché. Les premières racines du péché sont dans le cœur. Hein. Et c'est le cœur qui dit à la pensée, fais ça. Mais on a déjà les racines dans notre cœur. Je vous en supplie au nom du Christ. Prenez garde. Prenez garde et dominez le péché. Il faut dominer ce péché. Pourquoi? Regardez, je vous ai dit les excuses. Un jour, il y a un homme qui va faire un banquet. Et il va éviter, il va appeler les invités qu'il avait déjà conviés. Et le premier dit, non, j'ai acheté 3 paires de bœufs, ou 7 paires de bœufs, je ne me rappelle plus, ben quelques bœufs. Et je dois les essayer, menteur. Tu ne vas pas acheter. Bon, on va le mettre pour aujourd'hui. Laissons la parabole. On va faire la parabole de ce siècle. Alors, on te dit, viens à l'église. Non, je ne peux pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une voiture que je dois l'essayer. C'est pas un menteur, ça? Tu achètes la voiture sans l'essayer? Avant de l'acheter, tu l'essayes. Tu la mets en marche, tu regardes un peu tout. Tu fais tout ce qu'il faut. Non, non, non.
Non, non, mais je l'ai acheté, je ne peux pas y aller, il faut que je l'essaye là-bas. Hein. Je ne veux pas perdre mon temps, aller à la réunion, écouter un message, une prédication. Non. C'est vrai. C'est les excuses. Adam, il dit, c'est pour moi, Seigneur. Il ne dit pas comme ça, mais c'est pareil. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis. Il remet la cause à Dieu en plus. Tiens, si tu ne me l'aurais pas mis, Seigneur, je n'aurais pas désobéi, moi. C'est ce qu'il veut dire. C'est la femme que tu as placée devant moi, auprès de moi. Vas-y. Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle répondit, c'est le serpent qui m'a séduite. C'est les excuses. L'autre, il dit, je viens de me marier. Et je ne peux pas aller à la réunion. Il faut que je me promène avec le mari. Tu ne peux pas te promener à l'église. Mais il n'y a pas plus grande joie de venir à l'église. Tu peux aller n'importe où, dans des mariages, à Disney, parce qu'il y en a qui aiment Disney. Hein. Ils vont voir les singes et les trucs. Et Mickey. Alors, ils vont à Disney. Et ils croient, ils se régalent là-bas. Ils voient Mickey, ils voient Donald, ils voient ici, ils voient. Oh, que c'est beau! Mais il n'y a pas plus grande joie que de venir à l'église. Amen. Là-bas, c'est une joie éphémère, c'est une joie que tu regardes et puis c'est fini après. Mais la joie que Dieu te donne ici, elle est éternelle. Amen. C'est pas une joie passagère, Anton. C'est une joie, mais éternelle que Dieu nous donne. Même David, il dit un jour, regarde, rends-moi la joie de ton salut. Il avait péché. Heureusement que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Non, non, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait devant Dieu. Il se répandait de suite. C'est ça, David. C'est l'homme qui se répandait et qui mettait tout devant Dieu. Même que c'était Nathan qui l'avait forcé, mais il avait avoué. Alors il se met à prier. Et dans sa prière, qu'il parle, que Dieu puisse le laver avec l'hysope et tout ce qu'on veut. Il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Il reconnaît que le salut n'était pas, la joie de son salut n'était pas à lui. Il reconnaît que la joie du salut venait de Dieu. Il ne venait pas de notre endroit, mais du ciel. Bendito sea el nombre del Cristo, de la gloria. Bon, on arrête les excuses, parce que si on continue, après c'est Satan, il a été maudit. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, pour comprendre la croix, écoutez bien, pour comprendre la croix, c'est que là que nous la comprenons. Qu'est-ce qui est arrivé là pour que Dieu puisse mourir à une croix? Je vais vous dire une chose. Et le conseil que je vais te donner maintenant, prends garde, s'il te plaît. Le premier péché que Ève commis, c'est lequel? Eh? Non. Écoutez bien. Le premier péché que Ève commis, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Et lorsqu'il écouta, lui fut contaminé. Lorsqu'on écoute la voix du serpent, il nous contamine, lui. Et lorsque lui est contaminé, on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend que la voix de Satan, du serpent. C'est lui. Nous avons cinq sens, frères et sœurs. Et le premier sens qui fut contaminé fut lui. Parce qu'il accepta la voix de Satan rentrer dans son cœur. Alors, lorsque il accepta la voix, elle regarda. Et avant d'aller là, lorsqu'elle accepte la voix, Marc 7, verset 31. Marc 7, arriva. Aïe. 7, 31. Jusqu'à 36. Alors voyons,
Ça, c'est lui. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Vas-y. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et le toucha, et toucha la langue avec sa salive. Puis, levant les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Lui, Satan l'avait bouché pour Dieu. Mais ouvrit, il l'ouvrit pour lui, mais bouché pour Dieu. Il a fallu que Dieu vienne, que Jésus. Et il a fallu la croix pour ça. Qu'il lui mette les doigts dans les oreilles et lui dise « Ephphatha ». Ça veut dire « Ouvre-toi, ferme-toi pour Satan et ouvre-toi pour Dieu ». Béni soit le nom du Sauveur. Ça, c'était la première des choses que l'homme fut contaminé. La vue, c'est la deuxième. C'est le deuxième sens qui est contaminé. Parce que lorsque Satan lui parle, la femme regarde. Et la vue convoite. Elle convoitait dans son cœur que ce fruit était très beau. Et il était agréable à offrir l'intelligence. C'est ce que la femme a dans son cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Cette femme, elle convoite ce fruit. Bon, ils disent que c'était une pomme. Moi, je ne crois pas que c'était une pomme. Mais, et le fruit que c'est. On s'entend. Ce que je sais, c'est qu'elle convoita ce fruit et désobéit. C'est ça le plus important. Moi, je vais vous dire une chose, Anton, je vais laisser là. Écoutez bien. Je préfère qu'on me dise c'est une figue qu'une pomme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il mangea, il prit les feuilles, il prit un tablier. Et il ne va pas chercher un arbre de figue pour mettre un tablier. Moi, j'aurais dit une figue, mais on s'en fout. On dit la pomme, on reste la pomme. Mais le plus important, ce n'était pas le fruit. C'était la contamination qu'il y avait eu dans la vue, dans la vision spirituelle. La femme, l'homme, perdit la vision spirituelle. Ne voyait plus rien. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église, ne voyaient rien. Je dis bien des chrétiens. Je n'ai pas dit des enfants de Dieu. Des chrétiens sont aveugles. Il n'y a qu'une sorte de chrétiens qui ne sont pas aveugles, qui n'ont pas la vue contaminée par Satan. Vous savez lequel c'est? C'est ceux qui sont nés de nouveau. Amen. C'est les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ils voient. Et ils voient vraiment ce qu'est la vision de Dieu. Il y en a qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais ils voient ce qu'ils veulent voir. Et ne voient pas véritablement ce que Dieu veut que tu voyes. Dieu veut que tu regardes la croix du calvaire. Amen. Dieu veut que tu regardes la croix du calvaire. Amen. Pour que tu te rappelles d'où tu as été tiré. C'est à la croix que nous savons que nous avons été tirés de la boue du péché. C'est à la croix que nous voyons la main de Jésus qui se tend vers nous. Amen. Et qui nous relève. C'est à la croix qui nous met les doigts dans les oreilles et il nous crie Ephphatha pour que nos oreilles soient débouchées. C'est à la croix que Jésus te donne la vie, la vue spirituelle. Bendito sea nombre del Señor. Et la vue, bien sûr, j'ai pris Marc 10, 46, c'est pas la peine. Marc 10, 46, c'est simplement Bartimée qui crie Fils de David, aie pitié de moi. Il reconnaît Jésus comme celui qui peut lui rendre la vue. Et il lui rendit la vue. Et qu'est-ce qui arrive lorsque Bartimée rend la vue, lorsque Dieu lui rend la vue? Il le suivit dans le chemin. Amen. Lorsque Dieu nous donne la vue spirituelle, on ne va pas à droite ou à gauche, on reste dans le chemin. Combien de chrétiens? Ils jouent. Ils sortent du chemin, ils rentrent du chemin, ils sortent du chemin, ils rentrent du chemin. Ils ont pris ça pour un jouet, pour un amusement. Mais tu ne sais pas que faire des zigzags, c'est le serpent qui
C'est le serpent qui fait ça. Pour marcher le serpent, il ne va pas droit. C'est ça. On sort, on rentre. On sort, on rentre. Reste droit, s'il te plaît. Et ne marche pas comme le serpent. Mais marche comme le lion. Marche comme la brebis. Parce que vous êtes des brebis. Marche comme la brebis, tout droit. Ne pars pas à droite ni à gauche. Non, non. La brebis suit le berger. Jésus est devant nous. Nous devons suivre les traces du berger, du pasteur. Par Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le troisième sens qui fut touché, c'est le toucher. Elle entendit, contaminée. Elle vit, contaminée. Elle va toucher, contaminée. C'est le troisième sens qui est contaminé, le toucher. Elle est prise. Et lorsqu'on touche avec nos mains sales, elles deviennent sèches. Un jour de sabbat, écoutez bien, un jour de sabbat, Jésus est avec ses disciples. Et ils sont en train de prendre du blé dans le chemin, dans les champs. Et ils viennent et disent, mais pourquoi tes disciples flambent le sabbat? Ils vont, comment dit Saint-Claude? Ils n'observent pas le sabbat. Pourquoi ils font ça, tes disciples, Jésus? Est-ce que les sacrificateurs, lorsqu'ils étaient dans leur office, dans leur service, ils ne violaient pas le sabbat? Ils violaient le sabbat. Il le dit Jésus. Ils violaient le sabbat. Alors il va venir, il va dire, alors, si quelqu'un d'entre vous a qu'une seule brebis, et qu'elle tombe dans un trou, vous ne ferez rien pour la sortir. Tu n'en as qu'une seule, hein, après c'est fini. Hein. Si elle meurt, si tu la laisses là, elle meurt, tu n'as plus rien. Non, non, tu vas aller, tu vas la prendre, tu vas violer le sabbat. C'est ça. Alors Jésus dit, pour que, de toute façon, le Christ est le maître du sabbat. C'est lui le sabbat, c'est lui le repos. Le sabbat, c'est le repos. C'est lui le sabbat. Et on est en lui. On est dans le repos. Bendito sa nombre. Eh bien, pour que vous saviez que Jésus est le maître du sabbat, il dit dans la synagogue à cet homme qui avait la main sèche, étends ta main. Et il étendit sa main. Ça se trouve dans Matthieu 6, Matthieu 12. 12, 10. Matthieu 12, 10. On va le regarder comme ça. Et soit. 12, 10. 12, verset 10. Alors écoutez. Et on continue jusqu'à 14. Hein. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Vas-y. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisit pas pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit. Et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent pour chercher un prétexte pour le condamner. Mais Jésus, le jour du sabbat, guérit la main sèche de l'homme. Pourquoi? Parce qu'auparavant, avant d'arriver à la croix, nous avions tous les mains sèches. On ne pouvait pas travailler pour Dieu. On travaillait pour nous-mêmes. Et pour Dieu, on ne pouvait pas travailler. On avait tous les mains sèches. Pas là, les mains. Les deux mains, elles étaient sèches. Parce que la main, c'est le symbole du travail. Mais un jour, lorsque Jésus mourut à la croix, c'est pour que vous compreniez la croix. Hein. Mais un jour, Jésus mourut à la croix. Et c'est toujours mourut à la croix. Nous mit la main pure. Pour qu'on puisse travailler dans son œuvre.
Parce que tant que tu n'es pas pur, tu ne peux pas travailler dans l'œuvre de Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Le quatrième sens qui fut contaminé, c'est l'odorat. Alors, Louis, elle entend la voix de Satan. Elle regarde, elle va convoiter. Elle prend. Elle est touchée. Le troisième sens est touché. Et puis, lorsqu'elle prend, elle le mène à la bouche. Mais avant de le manger, avant de l'approcher, il y a l'odorat qui vient. Parce qu'on ne mange pas si on ne sent pas. D'accord? Bendito sea el nombre del Señor. 2 Corinthiens. 2. 2 Corinthiens. Ma favorite. Aïe. 2. 15. 2. 15. 2 Corinthiens 2, verset 15. Alors voilà. 15 et 16. Alors écoutez bien. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, odeur de vie, donnant la vie. Qui est suffisant pour ces choses. L'odorat, c'est suivant l'odeur qui émane de toi. Si tu es dans le monde, tu as une odeur de mort. Tu ne la sens pas, toi. Mais tu as l'odeur de la mort en toi. Et lorsqu'on se convertit, lorsqu'on vient à la croix, une fois de plus, lorsqu'on vient à la croix et qu'on contemple le sacrifice de Jésus, Jésus enlève l'odeur de mort. Et dit ça, ce n'est pas un chrétien. Non, non. C'est mon fils. Amen. Alors j'offre l'odeur de mort pour que ceux qui ne partent pas à la mort, mais je vais lui mettre en lui l'odeur de la vie. Amen. Et il met l'odeur de Christ. Pourquoi il met l'odeur de Christ? Parce que Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Alors, si Christ est la résurrection et la vie, l'odeur que nous portons aujourd'hui, c'est parce que Christ habite en nous. C'est lui que Christ, intonablement, c'est lui que Christ n'habite pas en lui. Écoutez bien, celui que Christ n'habite pas en lui, il a l'odeur de mort. Mais celui que Christ habite en lui, c'est parce que Christ habite en nous que nous portons l'odeur de la vie. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Si Christ n'est pas en nous, il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune espérance. Mais lorsque Christ vit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Le goût. L'odorat. Et bah, tu, donc il est d'ici là, vous dites pas de message? Après le message. Après le message. Alors, l'odorat, il y en a qui le perd, comme lui, il a perdu. C'est un accident qu'il a eu, c'est pas pareil. Mais il a l'odeur de la vie. D'accord, Juan, sinon me deja tranquille con eso. Tu sens pas le mort, tu sens pas le mort, tu sens la vie. Tu as compris? C'est un accident que tu as eu, c'est pas pareil. Et c'est les conséquences de l'accident. Mais tu as en toi l'odeur de la vie. D'accord? Alors le goût. Où peut-on trouver le goût? Où peut-on trouver le goût? C'est dans la bouche lorsque tu mets la pomme et qu'il croque. C'est là que le goût est contaminé. La bouche, la langue, surtout la langue. Gloire à Dieu. Alors écoutez bien. Ceux qui sont dans le monde ont toujours ce goût de désobéissance, de ce fruit de la désobéissance à eux. Mais, Matthieu 5, 13. Écoutez bien cela, hein, c'est un beau truc quand même. Hein. Voyez un petit peu. Ah, oh, que oui, mon Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Tu m'as mangé sans sel, il n'y a pas de goût. Lorsqu'on était hors de Dieu, on n'était pas le sel de la terre. Lorsque quelque chose sortait de nous, sortait sans sel. Et ce qui sort sans sel n'est pas bon.
Mais il dit, c'est que vos paroles soient assaisonnées de sel. Amen. Pour que le sel, pour que tes paroles puissent faire du bien à celui qui l'écoute. Il faut qu'elles soient assaisonnées de sel. Amen. Et Jésus lui-même, mais à travers la croix, à travers le sacrifice de la croix. Amen. Lorsque on est des enfants vraiment de Dieu, lorsqu'on est des enfants qui sont nés de nouveau, Jésus nous dit, et non simplement, vous êtes la lumière et vous êtes le sel de la terre, mais il dit aussi, vous êtes la lumière pour le goût. Le sel pour le goût, la lumière pour voir. Bendito sa nom de ça. Et si on regarde un peu, parce que là j'ai terminé, si on regarde un peu, il dit qu'il a fait des dons à l'église. Et vous savez, les dons qu'il a fait à l'église. Le premier don, le plus merveilleux don que Jésus fait à l'église. Vous savez le verset. Hein? À l'église. L'église, ils sont sauvés. C'est le ministère. Parce qu'il donne le don du ministère à l'église pour qu'il puisse travailler sur l'église, pour la perfectionner. La Bible dit clairement pour perfectionner l'église. Bendito sa nom de Seigneur. Il a fait des dons, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Il y en a qui prophétisent. C'est un don. C'est un don que Dieu donne. À qui parle en langue, qui traducteur des langues, et le don de prophétie. C'est des dons. Que Dieu donne à l'église. Il a fait des dons à l'église. Lorsqu'on prie pour un cas grave, combien de cas Dieu a écouté de son église et ils se sont sauvés, ils se sont guéris. Amen. Bénis soit le nom du Seigneur. À moins que Dieu ne veuille pas. Si Dieu ne veut pas, tu peux prier tout ce que tu veux. Il ne se fera rien du tout. Mais une église fervente, écoutez bien frère, hein? Une église fervente peut changer la volonté de Dieu. Amen. Une église qui vit dans la croiture de Dieu. Une église qui, que l'ouïe n'est pas contaminée, que la vue n'est pas contaminée, que le toucher n'est pas contaminé, que l'odorat n'est pas contaminé, ni non plus le goût, qu'il a ben, ces cinq sens qui sont vraiment sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Et l'église se met en prière devant Dieu, peut changer la volonté de Dieu. Amen. Ça a été fait dans l'Ancien Testament. Encore plus de raisons aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, qu'on vit la grâce. Auparavant, c'était la loi. Et Dieu l'a fait même dans la loi. Pourquoi il ne ferait pas maintenant dans la grâce? Que nous, on peut rentrer devant le trône de la grâce et prier Dieu et demander cette faveur à Dieu. Pourquoi ne le pourrait-on pas? Oui, on peut le faire. Et pour cela, il faut que tes cinq sens soient purifiés. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Alors, pourquoi la croix? Frère, nous avions les cinq sens contaminés. On n'avait plus rien. On était errants et vagabonds sur cette terre. Grâce à la croix, nous avons retrouvé la joie de vivre. Nous avons retrouvé une vie éternelle. Nous avons retrouvé la joie d'être ensemble, d'être bénis de Dieu. C'est dans l'union que Dieu nous bénit. Amen. Lorsque nous sommes unis comme ça, Dieu, on va parler dans l'expression ici de Marseillais, Dieu regarde l'église qui est unie et il se régale. Amen. De voir l'église unie. Amen. S'il y a un petit bouc parmi nous, Dieu le met de côté. Il veut des brebis. Amen. Je ne veux pas des boucs. Il veut des brebis. Amen. Pourquoi? Parce que le bouc n'est pas blanc. Il est marron, il est noir et tout ce que tu veux. Mais la brebis est blanche. Amen. Il porte le vêtement blanc que Jésus nous a donné. Soyons tous des brebis. Je suis une brebis de Dieu. Parce qu'avant d'être pasteur et serviteur de Dieu,
je suis entendu. Amen. Donc je suis une brebis. Amen. Bendito sea el nombre de Dios. Et une brebis qui suit le chemin. Ce n'est pas une brebis qui va où il y a les ronces. Parce que lorsqu'on va avec les ronces, ils nous arrachent la laine. Ils nous touchent le témoignage. Parce que la laine de la brebis symbolise le témoignage. Et lorsque nous allons manger de l'herbe où il y a les ronces, les ronces, c'est le symbole du péché. Si le péché n'était pas, les ronces ne seraient pas sorties de la terre. C'est à rapport du péché que les ronces sont sorties de la terre. Les épines et les ronces sont sorties de la terre à cause du péché. Et lorsque la brebis va manger de l'herbe là où il y a des ronces, eh bien, il arrache le témoignage. Ne te mélange pas avec n'importe qui ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ne nous mélangeons pas avec n'importe qui. Ne mangeons pas avec n'importe qui. Ne buvons pas avec n'importe qui. Il y a un proverbe espagnol qui dit Traducelo, Juan, que lo lleváis. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu marches avec un pécheur, tôt ou tard tu deviendras pécheur. Amen. Si tu marches avec un boiteux, tôt ou tard tu boiteras aussi. Alors ne nous mélangeons pas. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Restons dans la doctrine de Dieu. Amen. Restons là où, dans l'obéissance de Dieu. Entre nous, on est une famille. Amen. Il y a des voyageurs, il y a des Français, il y a des Gitans, Espagnols, mais on est un peuple de Romains. Amen. Il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. C'est fini. La grâce a tout enlevé. Amen. Et a formé un seul peuple. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, soyons ensemble, nous tous, toutes les nations qu'il peut y avoir dans le ciel, toutes les ethnies qu'il peut y avoir sur la terre, soyons ensemble s'ils sont des enfants de Dieu. Vivons, mangeons ensemble. Mais ne nous mettons pas sous un joug étranger. Savez-vous ce que ça veut dire un joug étranger? Avec un païen. C'est simple, ça veut dire avec un païen. Prenons garde. À Moïse. À moins que tu veuilles aller le sauver. Amen. Écoute bien. Hein? À moins que tu veuilles aller le sauver. Amen. Que tu vas témoigner. Amen. Qu'il a les cinq sens contaminés. Amen. Mais tu demandes à Dieu la sagesse de pouvoir te donner la parole pour que tu puisses lui expliquer. Amen. Si tu vas là-bas pour le sortir du péché, pour le sortir de la boue, du trou où il est rentré, Amen. Vas-y. Et si c'est pour participer avec eux, je vous en supplie, ne vous laissez pas contaminer. Parce qu'on se contamine de cette façon. Prenons garde, frères et sœurs. Et gardons-nous. Eh bien, Dieu, tout simplement. Gardons-nous du mal. Par Dieu. La croix a été faite à cause de ça. La croix est venue, d'ailleurs, Genèse 3. Et après le 12 et le 14, Marquillo. Après Genèse 3, 14. Ouais. Non, Genèse 3, pas le 14 et on va jusqu'au 15. 14, voilà. Et on termine. Hein? Voilà. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de l'âme tous les jours de ta vie. Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci, c'est la croix, t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Amen. La première fois que la croix fait mention dans la Bible, Genèse 3,15. Celle-ci t'écrasera la tête. Mont de Golgotha, lieu du crâne. C'est simple. La croix. C'est parce que nous étions contaminés de la tête aux pieds. Et voilà, à travers le sacrifice de la croix, et à travers le sang découlé, déversé à la croix du calvaire, Jésus nous a sanctifiés, purifiés, lavés par son sang. Par Dieu, et son nom de Dieu. Anton, au Seigneur, te damos gracias, te damos gloria.